Il met l'anneau et aussitôt se transforme en schizo. Dans sa jupette, d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyphase et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants schizo les battent tous pour les réduire en gros potes. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méga baffe, écrit l'enfer, qui en fille est trop super. Schizo. Shizu a plein d'adversaires. Bulle de base et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizu, Shizu, Kelly et Sheila font leur show. Shizu, Shizu, tous aiment Shizu. Shizu, Shizu, jamais on a vu un tel héros. Shizu, Shizu, y'a que ce Shizu. Génial! Je crois que je vais m'en acheter un. Je te comprends. Mais où tu vas trouver l'argent? Ça vaut une fortune. Prenez tout votre temps. Encore quelques semaines, ils seront sûrement vendus d'occasion. Sixième sens! Oh non! Guy? Mais oui, il est passé. Oh! Maz, j'ai mon sixième sens qui me prévient d'un danger. Ça tombe bien, je suis déjà en tenue. Oh! Ils ont des cabines d'essayage, tu sais. C'est pas le moment de faire du shopping. Filez jusqu'à la banque. Tous les comptes de la ville ont été pillés par les mini-crapules. Je déteste qu'on vole ce qui ne vous appartient pas. Shizu, faites un bisou au carrelage, il ne vous arrivera rien. Allez, on obéit, c'est bien. Je vous remercie beaucoup pour votre coopération. Remplissez ce sac de billets non marqués et n'oubliez rien dans les coins. Mon Dieu, je savais qu'il ne fallait pas que je vienne travailler aujourd'hui. Arrêtez de pernicher comme ça, vous me tapez sur les nerfs. Cette banque sentait un peu le renfermé, vous ne trouvez pas? Je manque pas d'air, hein? Shizu, aidez-nous! Bonne idée, ces sacs sont lourds, aide-moi à les porter. Un coup de main, mais avec plaisir. Ta voix? Oh! Je veux dire un coup de main, mais avec plaisir. À moins que vous ne préfériez carrément un bon coup de poing. Débarrassez-moi de cette folle! Rouge à lèvres laser! Pas de panique, vous allez voir la vie en rose! N'ayez pas peur! Je suis l'acolyte de Shizu! Venez, suivez-moi! Je ne savais pas que Shizu avait un associé. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Danoflage. Dégonflage? Non, Danoflage, jeu de mots, auflage, camouflage. Oh! Ah! D'accord, ok, j'ai compris enfin, je crois. C'est rigolo. Ah! Oh! Vous faire perdre le bout de volet en un clin d'œil. Bravo, un grand hurrah pour Shizu. C'est trois fois rien, je vous assure. Je n'ai fait que mon devoir. Disons que je leur ai réglé leur compte. N'oublions pas l'acolyte de Shizu dans cette histoire. Dégonflage. Non, c'est Dan au flage. C'est pas moi! Non. Pouvez-vous me signer un autographe? Oh, mais avec grand plaisir! Oh non! Pourvu que ce soit pas... mon père! Bonjour tout le monde! Ne paniquez plus, voilà la police! Nous avons la situation bien en main! Oh! Non! Eh bien, Shizu, vous vous mettez à braquer des banques maintenant? Eh bien, je ne... En fait, je ne... Shizu a fait fuir les voleurs, elle toute seule, monsieur le policier! Ils sont enfermés dans le coffre, il n'y a plus aucun danger à présent! Oh!
Guy ? Oh, ah, te voilà, papa. Je t'ai cherché partout, partout, tu sais. Derrière le guichet, derrière la plante, je t'ai pas trouvé. On peut savoir ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous fichez sur une scène de crime ? Ah, oh, je me suis dit que ça serait bien de venir voir comment tu travailles. Hors de question. Vous allez quitter les lieux et plus vite que ça. Bon, ok, d'accord. C'est toi le chef. Au revoir, papa. Shizu ! Bah quoi ? T'en as marre ? Ouais, j'arrive pas vraiment à m'éclater. Oh ! Comment tu crois que j'ai acheté ce jeu, hein ? Bah, t'es passé à la caisse, comme tout le monde. D'accord, mais j'ai surtout donné un gros billet que j'ai volé à la banque. Oh ! Dis, t'es un vrai gangster ! Oui, j'ai honte, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu t'es pris au jeu, et puis c'est tout. C'est pas une excuse, si ma sœur l'apprend, elle va me tuer. Je te l'avais dit. Shizu ne peut pas voler, c'est absolument contraire à tous ses principes. Peut-être, mais j'ai quand même le droit d'avoir une petite récompense pour avoir arrêté les voleurs. Tu crois pas ? Non, les super-héros ne font pas ça, je suis désolée. As-tu seulement réfléchi ? Ce serait bien la première fois. Faut pas le prendre comme ça, c'est pas si grave. Oh si, c'est grave. Et beaucoup plus grave encore, lorsque je t'aurais dit que la caméra de surveillance t'a filmé en train de te servir en douce dans les billets, ainsi qu'au moment où tu t'es transformé en vous savez qui. Oh ! Le monde entier connaît désormais ta véritable identité. Génial ! Pas génial ? Heureusement, personne n'a encore visionné ce film. Ça alors, quelle chance ! Ok, vous savez quoi ? J'ai un plan. Je sais très exactement comment m'en sortir. Oh ! En te faisant tout petit. Waouh ! Vous avez vu ça ? Je suis devenu un lutin. Woutiwoutiwou ! Avec cette taille, je pourrais être jockey. Yeah ! Plus vite ! Tu te sens bien ? Je n'ai jamais été aussi bien, je pète le feu. Imagine un peu tout ce que je peux faire en ayant rétréci. Quand t'es plus petit, les chips te paraissent deux fois plus grosses. La télé devient carrément un écran de cinéma. Une canette de soda te dure toute la journée. Tout ça c'est bien joli, sauf si tu deviens minuscule comme une molécule. Ah, tu veux dire que je vais devenir de plus en plus petit? Tu as compris, c'est bien ça. Tu es en train de découvrir l'un des terribles effets secondaires dus à ton vol de billets à la banque. Oh non, comment je vais faire? Il y a un gros souci là. Non, vu d'ici, c'est plutôt un petit souci. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Il existe une solution pour pas rétrécir? Oui, rends l'argent, petit chinapan. Hé, ça y est, j'ai rendu le jeu. Je me suis fait rembourser. Pourquoi ça t'a mis aussi longtemps? J'avais perdu la facture. Ah, c'est moi qui l'avais. Quoi? Un peu d'attention, demi-portion. Tu te souviens du plan? Oui. Crème écran total et on ne me voit plus. C'est génial. Je me glisse dans la banque, je remets l'argent où je l'ai trouvé et hop, le tour est joué. Non, tu oublies la vidéo prise par la caméra de surveillance. Tu as raison, la vidéo. Il est temps, change-toi. Vas-y, ma poulette. Hein? Oh, essaye encore. Ok. Allez, vas-y, ma poulette. Oh non, c'est bien ce que je craignais. Quoi? Oh! Oh non! Ne me dis pas que je peux pas me transformer quand j'ai rétréci. Ton cerveau aussi, il a rétréci. Le pire, c'est que je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Regarde sa tête. Oh, oh, oh. Il est rouge comme une tomate. Enfin, comme une tomate cerise. Je voudrais pas vous déranger pendant que vous vous moquez de moi, mais l'heure tourne et j'ai une banque à rembourser. Et je vais être vraiment court niveau horaire. Court? Je n'arrive pas à croire que t'as oublié de regarder la caméra de surveillance. Je croyais que c'était à toi de le faire. Ah oui? Et depuis quand? Non mais tu sens cette délicieuse odeur. C'est une odeur qui me rappelle que j'ai faim. Pause déjeuner. Hey Guy, hein? Par ici. On va te faire entrer par la petite porte. Oh, qu'est-ce que je ferais sans vous les amis? Tu disparaîtrais. Ok, tu n'as droit qu'à une seule chance. Tu crois que tu y arriveras? Bien sûr que j'y arriverai, je suis un grand garçon quand même. C'est ça, très grand. Bonjour, police. Nous sommes là pour examiner la vidéo de la caméra de surveillance. C'est pour une enquête.
Je vous présente mon collègue le capitaine, j'ai rien à dire. La vidéo, ah oui, je l'ai là quelque part, attendez. Ah, la voilà, tenez. Merci. Ah, une souris ! Oh, avec ton café brûlant, tu as détruit la seule preuve qu'on avait. Guy ? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici ? Tiens, oui, c'est bizarre. J'ai sans doute dû me tromper de route. Non, allez, rentre et vite. Shizu ! Bon, allez, vérifions que tu sois bien guéri. Oui, voyons ça. Vas-y, ma poulette ! Super, je suis redevenu tout comme avant. Eh ben, dis donc, il s'en est fallu de peu, hein ? Dis-moi, à propos de la tenue, là, je ne crois pas me tromper, mon ami. Tu ne l'as pas payée. T'as raison, mais alors, moi aussi, je suis un voleur. Ah ! Main sur la tête et contre le mur. Je suis désolé, je voulais pas la voler, j'étais pressé, j'ai pas eu le temps de l'enlever, non. C'est vraiment très drôle. Agent Shell a terminé, je fais bien le policier. De ton sixième sens. Très bien. Envoie la sauce. Classe. Allez, donne tout ce que t'as, frangine. Vas-y, poulet. Pensez à rehausser le toit. Termite. Non, ce n'est que moi. Maz. Non, mon nom est Razorine. Tous les deux, Razorine et Shizu réunis. On va éplucher les méchants et l'injustice sera taillée en morceaux. Les vilains vont raser les murs. Signal d'alarme, signal d'alarme. Qu'est-ce qui se passe, Sheila ? Voyez vous-même. Je suis Brian Slapette. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, je vous rappelle le fait majeur de ce début de journée. Et je m'adresse peut-être à une super-héroïne capable de nous sauver. Un horrible monstre tout poilu arpente les rues de Megadale et sème la panique sur son passage. Pas de doute, c'est une mission pour Shizu. Tu vas prendre Morvarine avec toi ? C'est Razorine. Ah ouais, d'accord. Lâche ce pauvre clown tout de suite et mets les pattes pelues en l'air ! Je m'en occupe. Ok. Oh.
D'accord, boule de poil, tu l'auras voulu. Je vais te transformer en dessin de délit. Shizo mes cheveux. Je suis coincé. Laisse Shizo tranquille, espèce de pelouse ambulante. Et ne touche pas à ses cheveux, t'entends? Parce qu'il faut que je t'avoue quelque chose. Si elle est décoiffée, elle perd tous ses pouvoirs. J'imagine que c'est sa façon à lui de dire qu'il s'en moque. Ouais, ça s'est joué à un poil près. Citoyen, vous aurez bien le temps de me remercier. Mon héros. Vous pouvez m'appeler Razorine. Grenadine. Mais non, c'est Razorine. Désolé, braves gens, mais une réunion de super-héros nous attend. Ah non, mais t'as vu ça? Ces gens m'adorent. Ouais, mais c'est moi le super-héros, d'accord? Toutes mes excuses, la prochaine fois que tu te crêpes le chignon avec un Yeti, ne compte pas sur moi. Tu peux te brosser. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Tu aurais pu te blesser, t'es pas un super-héros. Oh, merci de me le rappeler. Oh, tu vas pas te vexer pour ça? Ben si, t'es vraiment pas sympa. Allez, dépose-moi ici, ça ira. Je préfère rentrer chez moi à pied. Oh, je t'en prie, fais pas ta fillette. Ah, non, mais tu t'es regardé. Guy, est-ce que t'es sûr que t'as pas vexé Maz? Non, il s'en remettra. Ici, mais une chose est sûre, on n'entendra plus jamais parler de Razorine. J'essaie simplement de faire de mon mieux, vous savez, de rendre les rues un peu plus sûres. Bah oui, c'est notre mission à nous, les super-héros. Juste après la publicité, nous diffuserons un reportage spécial sur Razorine, le nouveau super-héros de Megadale, un héros au poil. Les méchants n'auront aucun répit face aux armes de notre super-héros Turbo Rasoir. Regard laser. Regard laser. Contra el todo nuevo, Razorine, con el esquiladoras turbo. Mais arrête, c'est ridicule. Nous savons très bien que c'est toi le vrai super-héros. Ouais, n'empêche que j'ai pas de regard laser, moi. Tu dois te changer les idées. Allez, viens t'entraîner. Tu t'es super bien débrouillé avec le bandeau. C'est vrai, j'ai été bon sur ce coup-là, excellent. Et puis on fait une bande dessinée sur moi après tout. Il n'y a pas de bande dessinée à son nom. On me reconnaît super bien sur ses dessins. Classe la bande dessinée. Mais où est passé le repère de Shizo? Je me suis installé ici le temps de me construire un petit abri bien à moi. Là, tu pousses un peu, je trouve. Et vous n'avez pas tout vu. C'est là. Elle a changé de nom, elle s'appelle Shelou. Très bien, on arrête là. Razorine, c'est terminé. Ça suffit, plein le dos. De quoi je me mêle? J'ai pas de compte à te rendre. Je ne vais quand même pas décevoir les attentes de mon public pour tes beaux yeux. Oups, il faut que j'y aille. Ils inaugurent ma statue dans 5 minutes. Une statue? Une figurine à son image, une bande dessinée et maintenant une statue. Et en plus, il porte un pantalon. Maintenant, tu vas m'écouter, Guy Hamdon. Je voulais être Shizo, c'était mon rêve absolu. Et toi, tu m'as piqué la place sous le nez. Alors tu vas arrêter tout de suite de pleurnicher parce que Shizo sera encore une légende, que ce guignol de Razorine ne sera plus qu'un fait divers dans les journaux. Tu as raison. Allez, vas-y, ma poulette. Je vais montrer à cette carpette géante qui est le vrai super-héros dans cette ville. Non, mais qu'est-ce qu'il croit? Ma jupe fait pas des plis dans le dos. Shizo! Ne vous inquiétez pas, grand-mère, je suis là pour vous aider. Non, non, inutile de me remercier, je n'ai fait que mon devoir. Je ne voulais pas traverser la rue, j'étais en train d'attendre le bus. Et maintenant, je vais être en retard à l'inauguration de la statue de Razorine. Oh, quelle bourde. Ne bouge pas, mon joli chatounet, je vais te sauver. Oh non, pas elle, pitié! Cette fois-ci, j'ai une bonne raison de vous emmener au poste. Je suis désolé. Rouge à lèvres laser! C'est encore une chance que vous ayez mis vos ceintures. Coupez! Hein, quoi? Ça fait des heures que je finalise cette scène et vous venez la ruiner avec votre rouge à lèvres bon marché. Faut pas lui en vouloir. Elle n'a pas l'expérience des caméras comme moi. Vous voilà tout beau, monsieur Razorine. Vous désirez votre massage de pied tout de suite? Non, plus tard. Écoute, il faut te faire une raison, ma vieille. Les temps changent, c'est comme ça. Si tu veux, tu pourrais être mon acolyte. Pff, hors de question. Tiens donc. J'ai une petite question à vous poser. Oh, manquez plus que ça.
Vous voulez bien me prendre en photo avec Razorine? Non. Et maintenant dans Dingo, Ted le démon aux prises avec une bande de piragators génétiquement modifiés. Tu vas rester toute la journée vautré sur ce canapé à te lamenter sur ton sort? Non. Je me vautre aussi par terre. Il peut rien m'arriver de pire, j'ai perdu mon meilleur ami. Arrête ton cinéma et lève-toi. Il y a sûrement quelqu'un en danger quelque part. Ben oui, il y a toujours quelqu'un en danger quelque Nous part. Nous interrompons votre émission favorite pour une info de la plus haute importance. Brian Slappet. Pour vous servir depuis la fabrique de piles de Megadale, devenu un véritable centre d'attraction. Oh, au sens propre. Bla, bla, bla. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour sauver les gens. Maz. Oh, oh, non. Je dois y aller. Allons sauver Razorine. Non. C'est toi tout seul qui vas sauver Razorine. Et du même coup, tu vas retrouver un ami. Oh, bien vu. Shizo! Ah, je dois essayer de... d'être moins attirant. Guy, je veux dire, Shizo, t'es venu. Ben, qu'est-ce que tu crois? C'est ce que font tous les super-héros. Sans compter que tu es mon meilleur ami. Derrière toi! Beau réflexe, mon pote. Merci. Et maintenant, je vais te sortir de là. Ah! Ça recommence! Attention! Ma laque, il faut que je la récupère! Si je parviens à attraper un lac dans ma ceinture de beauté, on a peut-être une chance de s'en sortir! Attends! Ouais, presque! Encore un peu! Oh, c'est toi qui avais raison! Je n'ai rien d'un super-héros! Non, Maz, je me trompais! De tous les acolytes que j'ai eus dans ma vie, tu es de loin le meilleur, crois-moi. Je te signale que je suis le seul, ça peut aider. Tiens, c'est pas faux, ça t'empêche pas d'être le meilleur. Et comment? Je l'ai. Oh. Oh. Non, non, qui a éteint la lumière? Shizo, ça se complique, c'est du lourd. Sers-toi de ton sixième sens. Merci, Razorine. Aïe, ça coupe. Et c'est moi que tu traitais de fillette. T'as raison, je devrais changer mon nom. Que penses-tu de chifillette? Non, change rien, je t'aime bien comme ça. Sympa. Ah, désolé. Je vais bien.